commence à se faire tard, 10h34. Pourtant, on est samedi soir, les gars. Mais en tout cas, ça m'a fait plaisir. On est quand même monté à 72. Je pense que j'aurais continué à Charovante. Je pense qu'on aurait pu passer les 100. Le fait qu'on ait fait des matchs, ça, il y en a certains que ça a un peu repoussé. Et quand j'ai fait la Charovante, hein, putain, on est monté en nombre de suiveurs. C'est assez impressionnant. Je pense que si j'avais continué à faire que de la Charovante, je pense qu'on aurait pu faire une session à 100 suiveurs dans la soirée. C'est bon, ça j'aime. Un petit Lopez. Ah, voilà. Ça coûte rien aussi, mais je l'aime bien ce petit Lopez. Il a des bonnes stats. C'est un joueur boost. Allez, on peut passer à du pack argent. Allez. Deuxième boost, hein. Ouais, c'est pas mal, hein. Touré, Lopez. Lame. Bon, maintenant, il me faudrait. Je n'ai jamais eu de boost argent. Faut quand même changer ça, là. Je crois que je perds la boule. Je perds la boule. Oh là 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 là. Bon, lui, je vais pas essayer de prononcer son nom. Déjà que j'ai du mal sur ceux qui sont simples à prononcer. Donc, si je commence à prononcer ça, on n'est pas arrivé. Fruithead. Tu es en mon pouvoir. Putain, Camara. Le problème, c'est. Il y a des noms comme ça, Gomez, Camara et tout, tu tapes, t'en as 54 000. C'est un peu comme Liu, Li. Quand tu tapes ça, t'en as 54 000. Pour trouver le bon, c'est un peu compliqué, quoi. Je veux du suiveur, hein. Si vous n'avez pas cliqué sur suivre, je vous mets des fessées, les gars. Oh, pas de chance, pas de chance. J'ai eu deux boosts et lames, hein. Ça pourrait être pire, hein. Ça pourrait être bien pire, hein. J'ai connu bien, bien pire. Hein, à la guerre du Vietnam, j'y étais. Oh putain, Stark. Stark Industries. Iron Man. J'étais obligé de le dire comme ça. Obligé. Allez. Pas assez de crédit. J'ai pas assez de crédit. J'ai pas assez de crédit. Mais sortez-moi du lourd là. Petit Yaya Touré homme du match. Surcoté. Allez, allez. Allez, deux packs argent et je me remets à faire du or. Allez. Putain, ça c'est pas mal, ça. Je suis sûr que ça vaut des crédits. 92. Ça sent les crédits, ça. Oh putain, ça vaut rien. Fais chier de sa mère. Putain, sa mère. Ouais, faut croiser les doigts. Je sais pas. Moi, je suis déçu quand même qu'il n'y ait plus l'application. J'aimais bien ça. Je pouvais relister de mon lit, de mon pieu, du taf. Bon, ça, c'est pas bien à dire, mais c'est vrai. J'avais juste à cliquer sur un bouton, je relistais. Ça prenait 2 secondes. Ça permettait pas de perdre de temps. Que là, bah, il faudra attendre le soir avant de relister. Pas de bol. Ouais, j'ai perdu un peu. Oh putain. Oh, c'est quoi ce petit jeune là? Halilovic. Ah oui, je reconnaissais pas sa gueule, hein. Faut dire que bon, il est pas très connu non plus. Ouais, ça vaut un peu de crédit, hein. Ça vaut un peu de crédit, ça vaut un peu de crédit. Ça va se vendre. J'ai combien de joueurs au final? Est-ce que j'ai pas regardé depuis un petit bout de temps? Est-ce que j'ai passé la barre des 5000? 5270. Je vais faire partie des clubs les plus riches, hein. Dès qu'ils vont virer ceux qui ont truqué là, vous allez voir que je vais être très riche. Top 100, top 100, valeur du club. Je sais combien là. Je dois être riche, non? 504 millions, je suis le 38e. C'est beau, c'est beau, c'est beau, c'est beau. Allez. Moi je veux du plus lourd là. Lopez, Touré, c'était. Merci, Protoxy pour le follow. Pensez bien les autres aussi à cliquer sur suivre. Ça vous permettra. Buller aussi, mais putain. Bon, quitte à faire tout le Bayern de Munich, hein. Maintenant je fais du Schweinsteiger, je fais du Robben, je fais du Ribéry. Hein. Je préviens tout de suite. Je préviens tout de suite, c'est ce que je veux. Maintenant, hop, Robben, tout de suite. Non, bon, presque Robben. Soblovski. Putain, j'ai tenté, j'y étais presque. Je sais pas, moi je passais directement sur mon portable, j'allais sur. C'était ordinateur portable, hein, pas mon portable portable. Foot compagnon.
Ah, je pèse. Je suis du lourd dans FIFA. 5 200 joueurs, faut dire que bon là, j'ai un 15 ou 20 000 contrats. Je pense que je peux jouer jusqu'à la à FIFA 15 jusqu'en 2030 avant d'épuiser tous mes contrats et tout. Hein, je pense. Après, je pense que ça va être dodo pour Cédric. Parce que Cédric, il est déjà mort. Il a encore plein de choses à faire avant d'aller se coucher. Donc je pense que ça va peut-être être dodo. Je pensais tenir plus longtemps. Mais au final, je suis déjà mort. Ça fait 2h10 qu'on a commencé le live. Je suis déjà mort. Donc oui. Après, pareil, hein, demain soir, n'oubliez pas qu'il y a le live d'achat-revente, de pack opening sur YouTube. J'ai pas mis le lien encore. Et pareil, hein, YouTube, hein, si vous me suivez que sur Twitch, hein, pensez bien à vous cliquer sur YouTube. Hein. Il y a énormément de vidéos et tous les concepts en général. Cédric, je m'appelle pas Robert, je m'appelle pas Robert. Mes parents ne m'en voulaient quand même pas à ce point-là à la naissance. C'est une longue histoire. Robert, regardez mes premières vidéos, je l'explique. Je ne vais pas revenir à chaque fois dessus, mais voilà, vous pouvez regarder. Déjà, oui, je sais, je suis un coquinou. Je suis un coquinou. Fais voir combien on était là. On est combien? On devait être quatrième ou cinquième chaîne sur Twitch, hein? Sur FIFA 15, non? Je pense, avec le nombre qu'on était. Ah non, on était plus loin que ça. On était plus loin que ça. Avec 70, on devait être 7e ou 8e, je pense. Ah oui, c'est ça. Oui, on était 6e. À l'heure actuelle, on est 7e. Bon, c'est pas mal, hein. Moi, je dis c'est pas mal, c'est pas mal. Moi, je dis qu'on. Je suis fier de nous. Hein. Je suis fier de nous. Bon, on se finit par un peu d'achat-revente au pire. Parce que je sais que c'est ça que vous aimez. Me voir galérer dans l'achat-revente les soirs où c'est en baisse comme ça. Ochoa! Immobile! Bordeaux-Saint-Étienne à Bordeaux. Qui c'est qu'on a vendu? Qui c'est qu'on a vendu? Putain, lui il vaut 1200 lui avec ses stats pourries. Corksmar, ben voyez, hein, il y en a qui partent hein, comme ça. On dirait pas comme ça. Allez, on va retourner voir nos petits copains là. Non, faut taper de risque parce que c'est chiant sinon. On trouve facilement. Je suis sûr qu'il y en a plein. Est-ce que son prix a augmenté depuis tout à l'heure? Oui! Oui, je sais que vous aimez quand je parle achat-revente. C'est là où vous me kiffez. Ils l'ont mis en buteur, moi, je le mettrais pas en buteur moi. L'appli remarche. T'es sûr de ça? Attends, bouge pas. Vous voulez que je fasse en live? Je vais faire ça en live. Je regarde en live. On va regarder, hein. Faut pas que je me connecte avec ce compte-là. Faut que je me connecte avec mon deuxième compte. Sinon ça va ça va bloquer. Hop, dégage. Celui où je me sers pour je débute un nouveau club sur FIFA Foot. Donc ne dites pas que j'ai plusieurs comptes pour bidouiller et tout. C'est tout simplement que j'ai été ban pendant un mois. Et quand on est ban pendant un mois et qu'on est addict, ben malheureusement, ben on achète une nouvelle clé. Donc pour le moment, entre ce que j'ai gagné sur. Sur YouTube et tout, ça ne couvre à peine les frais engagés pour acheter les deux licences que j'ai achetées. Non, parce que je suis en train de taper mes codes et tout, les gars. Je préfère, je vous dis si ça marche ou pas. Bougez pas. Faites-moi confiance. Et confiance. Ça marche pas, vous me dites? Allez, dépêche-toi là. Ouais, je vais vous dire ça tout de suite. Je reste en américain, on s'en bat les couilles. On s'en bat les couilles. Pigeon. Je suis un pigeon, c'est à moi que tu parles. You fuck my wife. You fuck my wife. Non, mais je pense que ça va. J'ai peu d'espoir que ça remarche au final. Peut-être que je suis. C'est mon petit côté pessimiste, ça. Bon, en attendant, on va faire. Ah, bon. Putain, qu'est-ce que j'ai vendu pourtant? What the fuck? Je suis à 372 000. Putain, mais j'en ai vendu combien de joueurs? J'ai quasiment vendu tous mes joueurs moi sur mon club FIFA Foot.
Ça, je kiffe. Ah, sorry, this fixture. Non, ça ne marche toujours pas. Voilà. Pour moi. Garmstone, oui, mais Garmstone, je l'ai. Et Oduro, je les ai aussi. Ash, pareil. Je les ai tous dans mon équipe. Merci, Nico, en tout cas, ça fait plaisir. Les joueurs sur PC augmentent un peu. Ouais, mais. Peut-être. Peut-être. Là, pour le moment, il n'y a pas d'erreur. Là, on va regarder Aubameyang. On va voir s'il n'y a pas d'erreur. Ouais, c'est pas une grande reprise, quand même. Hein. C'est une reprise honnête, là, comme on dit chez moi. Ok. 2P, il a combien? Il est cher, 2P. Hein. Putain, il est monté, le salaud. Il est en train de chuter, hein, 2P. Hein. Quand on a pris le live, il était à 7006. Hein. Là, il est qu'à 5000. Hein. Il est qu'à 5000. Donc, ça dépend des joueurs. Hein. J'actualise. J'actualise. Salut, Adrien. A plus. Mais t'inquiète pas, ça va pas durer très longtemps encore. Je suis un peu fatigué. Tu peux baisser toi aussi la qualité en réception. Je crois que c'est en cliquant sur la petite clé à molette. Parce que là, normalement, ça doit marcher pas trop mal. Normalement. Après, peut-être que ça dépend. Je sais pas. Je sais pas. Je ne pense pas. Nationalité. Non. Faire championnat. Je vais faire première ligue. Je vais faire milieu droit. Et je vais faire Chelsea. Je vais essayer d'écarter les Williams et je vais essayer de regarder un peu du Cuadrado. Ouais, ça dépend, je pense. Essaye de descendre la résolution chez toi. Quatre-vingt mille. Putain, mais pourquoi ils mettent... Tout simplement pour nous... Putain, ils font chiant. 85 000 quadrado. Ça c'est chiant ça aussi que ça. Mais non, j'en ai qui essaient de. Mmh. 75 000 celui-là, Quadrado. Ah, merde. 73 000. Je suis sûr qu'on va pouvoir en trouver des Quadrado pas chers en enchère. Ah non, putain, 70 000. Putain, il y en a qui sont fous quand même. Ils sont un peu foufous quand même. Hein. Ils sont un peu foufous. Je regarde un peu les joueurs comme ça. S'il n'y en a pas qui soit trompé un peu dans les prix. Je vais regarder les joueurs un peu plus chers aussi. Pardon. Je commence à m'étouffer, à mourir. Je crois qu'il faut cliquer sur la clé à molette, mais j'en suis pas certain. Hein. Je suis pas un spécialiste de ça. Ah, c'est remonté un peu. Il y a Touré. Ah, 271 000, c'est ça pourrait être très intéressant presque, hein, mais c'est vraiment limite. Hein. Il y a combien de Ribéry là? À 4. C'est dangereux, c'est dangereux, c'est dangereux.
Ouais, Mertens, Depay, Chorleux, Sergio Busquets, tout ça. Tu peux faire la tech Robert 85 000, donc c'est cela que tu achètes. Tu fais un peu de tech bourrin dessus parce que les prix ont augmenté. Donc t'actualises. Et dès que tu en trouves un, tu lui rajoutes 99 de contrat et un style et tu lui mets 2000-2500 crédits plus cher. Et tu vas les vendre, par exemple, tu prends un Mertens, c'est à 4500. Si tu arrives à en trouver un à 3000, tu pars pas de 3000. Tu pars de 4500, tu rajoutes 2500 avec tes 99 contrats et tu le mets à 7000. Et à 7000, ça va partir quand même un petit peu. Et tu vas te faire quasiment 3000 crédits de bénéfice sur un joueur. Donc c'est beaucoup pour un joueur qui coûte quasiment pas de crédit. Et pour Chorleux, par exemple, tu l'achètes 20 000. Il coûte 20 000 à peu près. 25 000, je crois qu'il coûte. Si tu arrives à le choper à 20 000 comme on a mis tout à l'heure, hop, tu le mets à 28 000, 28, 29, 27, 28 000. Ça va partir quand même un petit peu et tu vas te faire 6 000 de 6 000, 6, 7 000 de bénéfice. Ok. Hasard est toujours un peu plus cher. Parce qu'il y en a qui. Oh putain! La chute de prix de Hasard, il était à 390 000 ce matin. What the fuck? Putain, comme ça a chuté. Les prix n'avaient pas chuté aussi fort lors de la Toti quand même. Hein. Je tiens à souligner. Hasard n'est jamais passé au-dessous de la barre des 300 000 hein, dans mon souvenir. C'est énorme. C'est énorme! Ouais, c'est ce qu'on m'a dit par l'équipe. Mais tu vois, j'ai tellement pris l'habitude. C'est vrai que oui, je devrais faire comme ça aussi. C'est ce qu'on m'a dit. C'est ce qu'on m'a dit dans une de mes vidéos ce matin, je crois. C'est peut-être toi, Alex. J'ai pas fait attention. Neuer. On va monter bien plus haut. On va aller voir du Ibrahimovic. Bien plus haut. Parce que pareil, il a chuté, Ibra. Moi, ça va me bouffer les couilles. Hein, parce que bon, je le garde. Hein, je vais pas le vendre, mon Ibra. Pour perdre autant de crédit, ça sert pas à grand chose. Donc 762, faut peut-être pas exagérer quand même. Là, ça me foutra encore plus les boules. Déjà, il doit être à 800 000. Ah, c'est ça, 780 000. 780 000, ça me fout les boules. Je sais même pas à quel point. Le gars qui est optimiste, Ronaldo 800 000, non, on sait jamais, hein. Mais si. Non plus, bon, tant pis, on sait jamais, hein. C'est un malentendu. Ah, la chute de prix est juste monstrueuse quand même. Ça me fait halluciner comme ça a baissé. Ça a baissé plus cher que lors de la Toti quasiment. C'est notre krach boursier à nous. Qui c'est que je suis en train de vendre depuis tout à l'heure là? Ah, les Kuncho, ça marche bien ça. Hop là, voyez la technique que j'ai fait. Lui, je l'avais acheté 1000, je l'ai mis à 3200 avec 99 contrats. Si on enlève bah, les contrats achetés, je l'ai acheté 700, pardon. Les contrats, j'avais mis à deux contrats, un style, ça j'en ai eu pour 900, ça fait 1600. Si on enlève la taxe, ça fait ouais, allez, 1700, on va dire. 1700, 1700, 3200, ça fait 1500 de crédit de bénéfice pour un joueur qui en coûte 1000. Donc c'est juste monstrueux le bénéf qu'on peut se faire. Marché des transferts. Robben. T'as 915 000. Hein. Ok, Bale. Bale, je dis. Putain, il est moins cher que ça. Non, les prix vont augmenter dès qu'il y aura de nouveau l'application. J'ai peur que les prix se stabilisent. Ouais, et surtout il est solide, hein. Il brasse, c'est l'avantage hein, par rapport au défenseur. Il met un coup d'épaule, l'autre il a 3 mètres. Hein. Ouais, putain, c'est impressionnant la chute de prix. Ibra, Ronaldo, Robben, on a vu. Et on va aller voir nos chéris, hein. Petit Messi, un petit. Il est combien? Il est peut-être à 3 mètres. Je n'ai même pas besoin de faire ça pour Messi, tu me diras. Il doit y avoir 50 ans en vente. Est-ce qu'ils ont jeté au moins? Ouh, je vais le suivre celui-là. Le Messi à 1,3 million. Parce qu'il y en a plein qui vont peut-être pas pouvoir se les acheter là. Avant, ils achetaient des crédits. Et regardez, Messi, c'était devenu impossible de l'acheter à 15 millions. Là, personne ne peut l'acheter. Personne ne peut l'acheter. C'est bon ça. Ça, j'aime beaucoup de voir ça. C'était juste impossible de trouver un Totti qui se vendait pas comme ça.
Les gens, ils ont raison de pas baisser les prix. Moi, ce que je ferais, là, lui a commis une grosse erreur là. Pour le Messi, là, pour moi, ne vendez pas en enchère comme ça un gros joueur et en plus que ça se finisse pendant la nuit. Quelle erreur! Quelle erreur! Là, je pense que moi, je vais mettre une enchère à 2,5 millions. J'ai même une chance de le remporter. Quelle erreur de sa part! Ne mettez pas un joueur aussi cher en enchère. Il faut forcément le mettre en achat immédiat et vous mettez très peu de différence entre votre prix de départ et l'achat immédiat. Là, il ne se vendra pas aussi cher que s'il était en achat immédiat. Le plus bas, ça va être 5,8 millions. Ouais, 5,8 millions. Il va se vendre 4 millions. 4 millions 5 peut-être. Et en plus, ça se finit pendant la nuit. Quelle erreur! Et en plus, il est à 10. À 10, avec que 7 contrats. Quand c'est ça, vous vendez un gros joueur. Vous allez tellement mettre d'argent dessus, qui coûte tellement cher, que vous pouvez au moins. C'est un peu comme si vous vendiez une voiture dégueulasse, quoi. Dégueulasse, avec que des miettes à l'intérieur, c'est pareil. Ben là, c'est en gros, c'est ça. Il a vendu un Messi dégueulasse. À 10. Déjà, c'est à chier. Il peut bien acheter un changement de poste à 10 BU qui coûte quasiment rien. Ça coûte 1000 crédits sur une vente à 5 millions. J'ai l'impression de faire maison à vendre là, avec Plaza. Là. Les gens, ils font pas le nécessaire. C'est l'esthétique qui compte. Ben, votre Messi, pour qu'il se vende bien, qu'il se vende cher, ben, la moindre des choses, c'est comme si vous vendiez une bagnole, vous la vendez pas dégueulasse. Ben, là, votre Messi, vous le remettez au moins en BU. Vous le mettez au moins à 99 de contrat, au moins 99 de forme, et avec un petit style. Et ça vous coûtera au maximum 3-4 000 crédits, et ça vous permettra de le vendre plus cher. C'est d'une simplicité. Pourquoi c'est une erreur dans la nuit? En enchère. Tu vas te répondre tout seul à la question. Réfléchis un peu. Pourquoi la nuit, en enchère, c'est une erreur? Bah, tout simplement parce qu'il n'y a pas assez de gens qui vont suivre l'enchère, et donc tu as une chance que peut-être qu'il n'y ait pas assez de gens qui suivent, et que le prix, il n'y en ait qu'un seul qui s'y intéresse, et le prix va pas monter. Ou qu'il soit deux, et il y en a un qui abandonne rapidement. Alors que si c'est pendant la journée, il y en aura plus de un ou deux qui vont suivre un Messi. Que là, ça va se finir à 4 heures, dans 4 heures, il sera 3 heures du matin. 3 heures du matin, le truc s'arrête à 3 heures du matin. Donc déjà, entre le moment à 20 h, on va dire le samedi soir à 20 h, où c'est blindé de monde, et le soir à 3 h du matin, où il va y avoir à peu près que 10% des joueurs qui seront connectés, bah, tu prends le risque de vendre très très mal le joueur. À plus, voilà. Bon, en tout cas, juste pour vous rappeler ça, c'est l'essentiel. C'est comme votre maison, vous allez la vendre, les gens ils arrivent, il n'y a pas des casseroles partout, je sais pas, des trous dans les murs, c'est que vous allez pas vendre. Ben, Julien, c'est même encore pire que ça. C'est que si tu achètes des crédits à l'heure actuelle, je suis pas sûr qu'ils soient capables de te les livrer. Parce que se dire, à part les livrer à la main, c'est-à-dire que là, il faut vraiment. Je pense que ça va mettre beaucoup de temps si vous avez acheté des crédits. Je pense qu'ils vont sûrement honorer les crédits que vous avez achetés aujourd'hui. Par exemple, s'il y en a qui ont acheté. Je dirais hasard. Je dirais hasard quand même. Mais c'est compliqué, hein, parce que franchement, les deux. J'aime beaucoup les deux. Là, tu m'en demandes trop. Je te dis Ribéry, non. Ça, c'est sûr. J'ai beaucoup de mal à jouer avec Ribéry. Manque de physique. Il a combien? Hasard de physique? 64. Tant Ribéry il doit être à peu près dans ces zones-là, mais je trouve qu'il est 62. Et Neymar, il doit être plus solide sur ses appuis, Neymar, non? Ouais, que 58. Royce, est-ce qu'ils ont mis Royce un peu plus solide? 65, c'est le plus solide, hein, Royce, hein, physiquement. 65. Parce que Ribéry, c'est ça que ça lui manque, hein. Dès qu'il se fait toucher. Donc je prendrais hasard quand même, hein. Je préfère qu'il soit un peu plus physique, moi, perso. Ouais, c'est ça. Non, je prendrais ça en tout cas. Bon, voilà, en tout cas, sur les gros joueurs, ne mettez jamais en enchère, mettez forcément en achat immédiat. Refaites la façade du joueur. Si vous voulez changer de poste, vous le mettez à son vrai poste. Vous lui mettez un style et vous lui mettez 99 de contrat. En tout cas, pour tous les joueurs qui dépassent le million, c'est la moindre des choses à faire. Vous le vendrez plus facilement et ben voilà, vous le vendrez plus facilement et sûrement à un meilleur prix. Ribéry, j'ai pas du tout apprécié non plus. C'est dingue ça.
Robben. Robben. Pas Totti, hein, pas forcément Totti, hein. Mais Robben, c'est de la tuerie. Robben, c'est de la tuerie. Franchement, il a que 64 de physique, hein, mais le 93 de vitesse et 92 de dribble avec 4 de gestes techniques. Ribéry, ce que j'aime bien, c'est qu'il est 5 de gestes techniques. Donc il y a plein de gestes techniques que j'aime bien faire avec lui, que je peux pas faire avec tous les joueurs. Donc ça, c'est un point important. C'est un peu comme Cuadrado. C'est pour ça que j'adore Cuadrado, c'est qu'il a 5 étoiles de gestes techniques, hein. Ah, mais maintenant, vous voulez faire un match? Non, mais les gars, vous ne savez pas ce que vous voulez, je sens. Ah ben un peu de tout droit, ça fait toujours du bien. Krul aussi, vous voyez, il marche super bien, Krul. 3200, bim. Kabela, bon, là il est trop cher, hein. Malheureusement son prix a descendu par rapport à la semaine dernière, il faut que je le descende, j'ai toujours pas changé son prix. Bon, on peut se faire un match, si vous voulez. Je vais vous montrer ce que c'est. J'étais en train de remonter, dès que je parle achat-revente, les gens reviennent, je vais faire un match, bim, les gens vont repartir. Ils veulent pas que je fasse deux matchs, les gens. Ils veulent pas me voir jouer. Pourtant, j'ai fait deux bons matchs, là. Je considère que j'ai fait deux bons matchs. Mais voilà, en tout cas, c'est la moindre des choses. Dès que vous achetez vous vendez un joueur qu'on appelle cher, comme Ribéry, Robben, Ibrahimovic, alors Messi, Ronaldo, alors là, c'est foot professionnel, hein, Messi, Ronaldo. Non, là, c'est moi. C'est foot professionnel, franchement. Les 17 Ménez, pour le moment, je te dis, c'est une très 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 bonne question. Si l'application remarche demain, les prix vont augmenter et donc tu vas t'en bouffer les couilles. Si l'application ne revient pas avant un mois ou deux mois, on sait jamais, le prix va encore s'effondrer et tu vas t'en mordre les couilles de ne pas avoir réussi à les vendre. Ouh, on a eu 3 de latence. Non, vas-y, reste toi. Ah, c'est bien, reste. Ouh, 3. C'est bon ça. Ça me gratte la tête. Oh là là, ça c'est une équipe pour faire des tout droits, ça. Mais il va y avoir du répondant. Putain. Rémy Sturridge, c'est vraiment une grosse équipe, hein. C'est vraiment. Pourtant, ça coûte rien, mais. Bonjour à tous, bienvenue à l'Emirates Stadium d'Arsenal. Salut Franck. Salut Hervé, ravi d'être à vos côtés. Ah, mais il est trop costaud. Ah, il est là. Aaron Ramsey. Fabregas. Il trouve Walcott. Aaron Ramsey. Ah, Avec ce merde. ballon qui traîne, Loïc Rémy. Oh l'attentat! Là c'est le rouge, hein. Dernier défenseur, monsieur Que l'arbitre. va-t-il faire? Allez, un carton jaune, ça Ah va ça mérite le peut-être. rouge ça. Et ça va surtout jouer Salaud de avec Felipe Luis. Robben jusqu'à la fin du match maintenant. Vais faire une frappe terrible du milieu du terrain. Voilà. Regardez la frappe terrible. Je suis un fou moi. Oh, il n'a rien lâché là sur cette interception. Bien joué. Ouh la grosse Et frappe! aucun problème pour le gardien de but. Eh oui, mais Ce sera une là tu vas pas deuxième assez vite mi-temps. là mon défenseur. Lee. Ah, il vient en contact. Putain. Loïc Rémy. Ah mais là je vais beaucoup trop vite pour toi, je vais beaucoup trop vite. Oh, il fallait la faire cette interception. Ah. Fabregas. Théo Walcott. Il va plus vite que moi, mais je vais très vite aussi. Oh oui, bien vu la passe.
Eh oui, bien sûr, il est costaud, il est costaud. Oh non! La volée. Comment tu peux me mettre hors jeu là? L'assistant qui a levé son Comment il drapeau peut me et mettre l'a hors jeu? ouvert devant lui. C'était trop beau. Non, je fais pas des lives tous les jours. Je fais des vidéos tous les jours sur YouTube. Eh oui, mais là, il est bien L'attaque, temps. qui sera le premier sur le ballon? Lee. Pas bonne abnégation sur cette interception. Sturridge. Ouais, mais là, cette fois-ci, je vais trop vite. Cette fois-ci, je vais au bout. Hein. Oh, c'est bien parti! Oh, merde! Dribbling, ça. Ballon pas trop compliqué à reprendre finalement. Oh, s'il lève la tête, ça peut être dangereux. Ah, Eh attention, la oui. frappe! Oui, but! J'espère qu'elle vous plaît quand même, ma petite équipe, quand même. Vous avez vu la puissance qui se dégage, la sérénité, le talent. C'est l'équipe qui tente le plus Oui, il y a un live sur YouTube. Si tu peux. Ah, mais j'allais dire, tu peux Dribbling, mettre le lien. J'ai toujours pas créé Dribbling l'événement. décisif qui est quasi au premier Mongolien, poteau du score en avant 1-0. les histoires. Il sait pas comment trop se dépatouiller là de. Il sait pas trop comment faire. Ah oui, mais là, Le gardien du il doit but se dire c'est quoi qui cette équipe frappe. de cheatés? Oh, Oh la merde, Lee, tu frappe. dois la Dribbling mettre celle-là. parfait sur cette action. Oui, parce qu'il se dit là qu'il Elle la est dopée à connaît, qu'il fond, a mais une oui, c'est pas de occasion. la petite équipe ça. Et c'est vrai que là, il sait plus trop Le centre. comment la prendre, ma pauvre équipe. Oh! Il récupère ce ballon Je lui dans dis l'autre camp. que. Sturridge. L'Emirates Stadium, l'antre des Gunners d'Arsenal, on est accueilli par le stade de Putain. Beaujour comme marque l'histoire. C'est vrai qu'elle est dopée à mort. En Dribbling plus, en mettant voilà, dans ma l'axe, ça technique peut être dangereux. pour avoir Neuer, on va dire, à 500 Attention, crédits. l'arbitre a sifflé, peut-être un carton au bout. Je vais frapper là, je vais frapper. Je veux sonne là, je veux sonne. Ouais, je vais prendre sonne. Je veux frapper moi, je suis un fou moi. Ah, il n'a pas pu contourner le mur. Mais bon, c'est pas grave ça. Vas-y, vas-y, vas-y. Vas-y, mets le petit. Voilà, c'est comme ça qu'on joue. Fabregas. Ah, là, tu vas pas assez vite là. Loïc Rémy. Il trouve Walcott. Ah, mais Walcott, je vais lui montrer ce que c'est que moi. Elle dégage Ah, du la coin. bonne dégagement, le Pas bon passé très haut. dégagement. Dommage. Un bon ballon d'attaque perdu. Allez, tu vas vite, tu vas vite. Il est en Allez, là, tu vas récupération vite, au mais. milieu de terrain. T. Walcott. Allez, allez. Philippe Lewis. Entrée sur le. Très bonne lecture du jeu là sur cette interception. Ah merde, je loupe mes passes Saliba. depuis tout à l'heure là. Fabregas. T. Walcott. Ouh, l'attentat là, il y a carton rouge là normalement hein, sur ça. Ah, Ballon laissé il a du court. mal à se dépatouiller. Et comme beaucoup Loïc de Rémy, joueurs qui jouent attention pour contre l'auteur de faute. cette équipe-là, Fabregas. je peux jouer Alexandre Lacazette très qui récupère. agressif. Lee. En ballon donné au millimètre, attention, Ah, une oui, et oui. occasion qui peut Il se dit frapper. putain, c'est pas possible, à chaque fois il arrive à L'assistant me qui récupère pousser là. poursuit, le ballon est rentré. Ah oui, c'est vrai, j'avais oublié. Oh putain, c'est vrai. Pardon. Je dégage, je dégage, je dégage. Pas à droite, après il y a. Comment pouvait Je la certains supprime. membres de cette équipe Hop. qui jouent Pardon, excusez-moi, j'avais oublié depuis encore une quelques fois. heures maintenant Dès que je fais du match, n'hésitent ça pas à redescend faire le nombre. circuler le ballon. Les joueurs du Bah, Real moi je te conseille sont un peu d'attendre. sapés. Parce Ouais, que le je Real pars du Madrid principe que mène peut-être que 2-1. l'application reviendra, donc. Donc moi je te conseillerais. On est qu'en première mi-temps. Sturridge. Oh, elle garde le ballon, mais ça joue. Lee. Là j'aurais pu Ballon faire un à tout Walcott. droit.
Des fois, bon, ils ont un petit problème de contrôle, mais rien de bien méchant. Il est beaucoup trop agressif, lui. Et avec des joueurs qui sont pas assez rapides. Moi, je peux me permettre d'être agressif comme ça parce que. Mais mes défenseurs sont tellement vifs que, au pire. Ouais, ça arrive hein, de faire des erreurs comme ça. Regarde, je me traîne encore des Maxwell de d'un live de il y a un petit bout de temps. Allez, c'est la mi-temps. Toujours les mêmes. 2P sur le. Mertens, Busquets, Krul, Dembélé, Rooney, Lloris. Ouais, mais là, mon grand, si tu. Y a faute? Mais non, y a pas faute. Non, mais là, c'est pas un problème, hein, avec l'application. C'est qu'ils sont en train de faire une maintenance. Ils sont en train de virer tous ceux qui ont. Qui ont, on va dire, un peu acheté. Qui vendaient des crédits, etc. Donc là, ils sont en train de voir si, à mon avis, pour la fermer, hein, tout simplement. Oh putain, quelle naze! Et ben voilà, ces joueurs-là qui sont en train de. Qui ont bien augmenté en prix. Je te rajouterai du Cuadrado, du Ibarbo. Voilà. Ce type de joueur-là. Ah putain. Ah merde. Mais là, il. Ah, il anticipe beaucoup quand même, hein. Voyez, même si je plonge avec un joueur, voilà, il a réussi à s'en sortir, mais en général, il y en a toujours un autre qui vient en supplément. Et là, par exemple, là, il a commis une. Oh putain, si je me foire pas derrière. Si je me foire pas. Ah non, il a du mal. Il a du mal à se dépatouiller avec tout ça. Y a toujours un qui l'emmerde depuis tout à l'heure. Il sait pas trop comment s'en sortir. Oh le salaud. Ouf. Ouh, c'était limite. Le but de nouveau, je vous laisse apprécier. Oh putain, Kyle, ça fait la deuxième fois qu'il me prend de ballon de la tête. Ah mais là, il va trop vite. Il va beaucoup trop vite. Ah là là. Allez, pars-tu, t'y es. Oh, mais mets ton pied, connard. Quelle raquette. Ouh, ça sent. Récupéré sur cette intervention, il se dispute le contrôle du ballon. On va admirer la technique. Ah, qui va Oh la reprendre faute. l'appel? Ah oui, C'est le rouge peut-être ça. coup franc. Ah, je pense que l'arbitre a Ouais été non, pour le moment assez achète pas Med. longtemps. Med ou sinon achète des joueurs vraiment qui coûtent rien. Ou achète des joueurs ouais non, franchement achète pas à l'heure actuelle, je vous conseille de pas acheter les gars. Allez, sonne. Bon, cette fois-ci, tu vas me la lever quand même. Ce serait bien que ça passe au-dessus du mur. Ah non, mais j'ai dit lever, Le pas. mur, Voilà. mais qui ne sert à rien, qui passe très largement Joueur petit au-dessus. budget comme ça dans les équipes. On garde l'intention de faire l'objectif, mais l'arbitre a Qui c'est décidé que de j'aime bien qui sanctionner. est. Oh oui, mais voilà, bien sûr. Peut-être le but. Ah, j'aime bien la petite frappe comme ça, en douceur. Tout doucement. Remarquez que je suis jamais aussi fort que quand j'ai cette équipe-là. Vous m'avez jamais vu à ce niveau de performance. Parce que tout simplement, je me sens à l'aise défensivement. J'ai trouvé mon équipe.
Je vais soutenir la Corée du Sud au prochain mondial. Regardez, regardez la finesse. La finesse, superbe. En général, je frappe fort quand j'ai des gros joueurs, là. Ouais, mais là, il n'a pas réussi à trouver la stratégie pour...